enregistrement en direct. Là, on sort directement à Port-Dauphine, ça. Port-Dauphine, là, non? Port-Dauphine, ça. Normalement, oui. C'est... Non. Non, c'est pas la Port-Dauphine, ici. Non. Bon, mais la musique, c'est pas grave. Passé. Hein? De Passy. De quoi? De Passy. Ah, Port-de-Passy. D'accord, ouais. Mon téléphone se dérange depuis, je ne sais pas pourquoi. Ne regarde pas, hein. C'est quoi ce délire là? Comment? Non. Un petit tour. Non, je parle parce que ça. Ça buzz. Oh, la tour Eiffel. Vraiment. Presque. Bon, on est presque arrivé là. 7 minutes. 7 minutes? Bah, c'est pas loin, on est chez moi. Hein. Ouais, bonsoir. Ça coupe tout le temps, ça coupe. Je ne comprends pas pourquoi ça. Pourquoi tu viens passer ici, toi? Pourquoi c'est même pas beau ici? Tu dois me filmer quoi de temps? Mais c'est pas beau ici. Pourquoi? Non, mais non, j'aime pas. Tu es venu me faire passer ici, voilà, tu le fais là-bas. C'est GPS qui te amène ici. C'est si sinistre ici, on dirait une ville folle. Ah, là, tout est fait. Je m'en vais boire. Elle peut faire quoi? Je fous quoi avec la tour Eiffel? Voilà ça devant mon nom. Bah oui, c'est là. La dame de fer. Bonsoir mes amis. Ici le gouvernement de la joie. On quitte un peu le côté des négros. On va dans le bon côté des riches maintenant. C'est bon là. On quitte un peu. On va un peu voir la dame, notre dame de fer. Eh oui. Bah tu veux que je te vois là? Dis bonjour. Je veux voir combien vous... Ben dis bonjour, tu veux... Bonjour, dis bon... bonjour. Voilà. Hein? 115 personnes. Bah c'est petit ça. Bah c'est beaucoup déjà. Bah oui, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont intérêt à... Non, c'est ça. Oui. Je vais chez un client. Oui. Je vais me chercher à tout le monde. Je m'avais bordé un peu. Ça fait longtemps que je dors seul. C'est quoi? C'est tout ce que je dois dormir seul. Avec chez les clients. Le foie, mais mon canapé là ne veut plus de moi, pardon. Hey. Alors mes amis, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Moi je vais très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Donc je vais très bien comme vous voyez là, je n'ai rien à vous dire. Je vais bien. Le changement c'est maintenant. Qui? J'ai un foutre quoi les noirs là-bas. Maman. Tu me vois encore là-bas? Parce que comme j'ai dit, je vous évite. Évitez-moi. Parce que c'est bizarre ça. Pourquoi tu regardes? Mais moi, la musique, mais fun là, même la bonne musique, toi. Bah, c'est ils sont en train de. Après la publicité, tu mets la musique, d'accord? Bah, de toute façon, on va arriver là. Mets nous YouTube, tu as YouTube, non? Mais tu peux pas mettre YouTube parce qu'il faut que tu me déposes. Hein. Non, tu peux pas mettre YouTube là. Non, je peux pas mettre. Laisse tomber alors. Bah, on va pas faire la pub, hein. Mais c'est marrant quand même hein, de vivre dans une ville. Chaque fois que je vois la tour Eiffel, c'est magique pour moi. C'est magnifique. Hein. Mais toi, tu mets un calque de conduite. Toi, tu as arrêté la route 6 fois. Comme ça. C'est pour toi. Mais tu me regardes pourquoi? Regarde. Pour faire quoi? Pour la tour Eiffel. Pour toi. Voilà ça qui se voit loin là-bas. Non. Ça se voit, c'est bien. Ça se voit même plus bien. C'est là-bas, je voulais monter. Moi, on ne passe pas par là-bas, non? C'est Trocadéro, on va à Trocadéro oui. Là. Oui. Bah si on passe là-bas, attends. J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont.
Hey, maman, tu vois un peu là où les blancs comme ça, la même maman. Tu sais que tu es en France, c'est quoi les autres noirs là? Les restaurants là, con. Pardon. Voilà. Comme je vous ai dit. Bonsoir mes amis, bonsoir. Oui, je m'en vais boire un peu. Je m'en vais un peu vivre. J'espère que c'est un bon pays. Hein. Si c'est un bon client, on va être content jusqu'à. Oui, je dis. J'en ai marre de dormir dans le canapé. Je vais chercher ma part de blanc. Hey, le blanc de sang. Le blanc, oh. Hey, tu as appris à conduire, tu guides le feu. Hey, le type, est-ce que j'ai pris mes papiers avec moi? Hey, le type, c'est pas bien. Mais c'est pas bien pour conduire normalement. Mais non. Non, non. Non, t'as droit à passer les verts oranges. T'as pas droit à passer les verts rouges. Mais tu pourrais t'arrêter, non? Orange, tu peux pas arrêter. Ah bon? Non, il faut que j'arrive en entier là où je pars. Je veux pas de problème. Lena Boston, bonsoir. Hein. Merci Nelly, pas. C'est normal, attends. Voilà, tu marches là, tu maman, c'est creux. Oh, c'est beau ça. Mais je n'aime pas la route ici. Tu es parti. Moi j'aime la route là où c'est beau. Tu viens passer avec moi dans les sous. C'est pas des sous-quartiers, mais. Non, c'est un arrondissement quand même. Hein. C'est le quartier ici qu'on avait refusé les migrants. Vous vous souvenez, on a refusé les migrants ici là. On a refusé les migrants ici. C'est un quartier de milliardaires ici. On a refusé les migrants, on a dit non, 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 pas de migrants au 16e. Et ça a été refusé. Laisse. Merci, Martine Basso. Le client là, je ne sais pas, je vais voir aussi, non. Oh! Non, il faut que je trouve un bon petit café ici, vous venez souvent m'asseoir ici. Tu sais, parce que moi, l'avantage que moi j'ai, en fait, je suis plus proche du 16e, de Champs-Élysées que les quartiers du 17e de Paris. Hein. Je suis très proche, quoi. Je suis pas très loin. Moi, je parle avec moi ou quoi? Bah, je parle avec mes gens, là, je parle avec eux. Mais c'est moi, dans les directs. Écoute-moi, je ne dis pas que non. Quand je suis en direct, je parle avec les gens qui me regardent là, qui m'écoutent. Je ne parle pas avec toi. Je sais, je voilà. Je sais. Oui. Je aussi, je passe en direct. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est en direct. Mais dès que j'ai mis, tu as su que j'étais en direct. Et moi aussi en direct. Avec toi déjà. Alors? Vous savez, c'est pas que je n'aime pas les restaurants africains, j'aime bien, hein. Mais moi je ne veux plus côtoyer, quoi. Sans vous mentir, ça me dit plus rien de côtoyer les gens de Paris, quoi. Non. J'ai mon monde à moi, les Africains de Paris, j'ai mon monde à moi, que je fréquente maintenant. Les autres là, je ne les fréquente plus. Même si j'entre dans un restaurant où ils sont, vous allez me saluer, vous allez parler que moi, que la veuve joyeuse est là. Vous allez vous comporter avec moi comme tout le monde. Se comporte avec moi. Comme les gens que je ne connais pas. Ah, putain. C'est là. On est arrivé là. La route, c'est où? C'est là. Merde. Non. C'est pas loin de chez moi, hein. De tout ça.
Pas du tout. Hey, t'as même oublié que vous étiez là. Donc je disais que on est déjà arrivé ou pas? Là là. Là là où? Ça a été payé? C'est la maison, c'est quoi? La maison quoi? Ça c'est quelle adresse? C'est l'adresse de la personne là où je pars. Mais tu me déposes devant. Ok, je crois que tu veux les places de Trocadéro, c'est ça. Mais non, tu m'amènes là-bas, tu comprends, non? Merci. Trocadéro, je vois la tour Eiffel tous les jours. Non, c'est parce que je voulais montrer la tour Eiffel à mes amis. Ceux qui ne connaissent pas, c'est pour ça. Donc voilà. Donc je disais, pour moi, quoi, c'est pas que je ne veux pas fréquenter les Parisiens. Mais je ne veux pas. Les gens qui me connaissent à Paris, je ne veux plus d'eux, quoi. Moi, je fais un rejet. Donc je ne les vois plus d'eux, ça ne me dit plus rien quoi. C'est les gens qui ne changent pas, ils font le corossa avec toi, après ils tournent derrière, ça devient que c'est toi qui est devenu, qui a fait le corossa, tu deviens leur bête noire et tout. On parle de toi dans les cafés, dans les restaurants, la con, pour faire croire que c'est toi qui es méchante. Alors quand on fait le corossa, on fait ensemble, mais quand il y a un problème, on met ça sous ma tête et moi je suis très fâché contre ça. Donc je vais vous montrer la tour Eiffel. Hein. Mais c'est là la tour Eiffel, là, toi. C'est là. Pourquoi tu m'as amené là-bas faire quoi? Et tu sais même comment? Ça, c'est la tour Eiffel ici. Tu m'as amené là-bas pour faire quoi? Voilà. Regarde, il y a c'est là. Ouais, c'est un... Voilà. En plus, ils sont allumés là. Donc, ouais. Vous avez vu là? Ça, c'est la tour Eiffel. C'est beau, non, Paris? Voilà. Ça scintille. Le type s'est dit, il m'a amené même d'abord où là-bas? Moi, je voulais venir vous montrer la tour Eiffel. Vous avez vu? Bon, on y va? C'est bon? L'adresse, oui, on y va. Voilà l'adresse. Il a dit que moi, avec moi, c'est toujours comme ça. Lui, il ne connaissait même pas la tour Eiffel. Donc, vraiment, je veux vraiment éviter au maximum les Camerounais, quoi. Parce que je vous dis que j'ai appris plein de choses là, que moi-même, ça me sidère. Vous comprenez? Tu peux baisser un peu le volume, s'il te plaît. Ça me sidère, quoi. Mais oui, on parle de moi. Certains gens avec qui je ne parle plus, ça devient que ouais. Donc on met tout ça dans ma tête. Non, c'est la veuve qui a dit ça. C'est la veuve qui a dit. Vous me dites que c'est la veuve qui a dit parce que moi je n'ai pas un nom dans ma vie. Ou bien parce que c'est quoi? Vous savez, moi je ne veux plus parler avec vous parce que ça me fait pitié. Parce que le jour que je vais encore insulter une Camerounaise ici à Paris. Comme quand on a fait là, vous allez venir chez moi, me tabasser chez moi. Mais le jour là, il y aura seulement que les couteaux. Moi je vous dis. Mais on ne peut pas être ça seul. Ici à Paris, hein. Les filles sont tellement méchantes ici que tu parles quelque chose avec elles. Ça devient RFI. Ça ne dure pas. La veuve a dit que. Même si tu dis seulement que maman, le maman que tu as dit là, tu vas payer le maman la chair. Dans un cours, ça, tu entends, non? Donc, tous, je me suis rendu compte que ici à Paris, les vieilles putes de Paris là, toutes ces femmes là, quand il y a un problème, on met tout ça que dans mon dos. J'ai été sidéré, j'ai dit, mais je suis dans quel. On est arrivé. Hein? C'est ici. Il a payé. Non, il n'a pas payé. Bon, je vais la payer. 11 euros. Ah, c'est 11 euros. Non, il va descendre payer. Je n'ai pas l'argent. Ok, bon, mes amis, moi, je suis arrivé. Hein. On va causer de ça une autre fois. Mets-toi là-bas. Garde. Il n'y a pas de place. C'est bon, je vais attendre. Comment? Parce que moi, je dois appeler le type là qui vient payer. Oui. Bon, mes amis, je vous laisse. Je dois payer. Tout à l'heure, on va causer encore. Je vais me connecter encore. Je suis dans les beaux quartiers. Pardon. Respectez-moi pour une fois.